conférence qui vient de se tenir, donc que j'ai animée, portait sur le mécénat d'entreprise et visait à expliquer à des entreprises l'intérêt qu'il y a pour une entreprise de s'engager dans des actions de mécénat envers des actions d'intérêt général. Voilà, donc nous avions Maître Bodstein du cabinet Del Sol, qui en tant qu'avocat spécialiste des questions de mécénat a bien expliqué aujourd'hui l'avantage fiscal qu'ont des entreprises à effectivement avoir des actions de mécénat, puisque une entreprise qui mécène une association ou une fondation a un avantage fiscal de déduction sur son impôt sur les sociétés. Et puis moi j'ai effectivement toute la formation de Neurotis illustré cela par un mécénat que nous avons, en expliquant comment effectivement sur une relation de confiance qui doit s'établir avec l'entreprise, et bien finalement ce sont des opérations gagnant-gagnant. L'entreprise effectivement investit une somme d'argent dans une action d'intérêt général, mais bien sûr la fondation en est bénéficiaire et ça lui permet de mener ses actions d'intérêt général, mais l'entreprise est aussi gagnante par les retombées qu'elle en a, indirectes certes, mais tout de même les retombées en termes d'image, souvent en termes d'image à l'externe, mais aussi en interne vis-à-vis de ses salariés. Et donc ce sont vraiment des opérations gagnant-gagnant.